Bonjour, je vous explique de la façon vous pouvez couper vos rideaux. Il faut qu'ils soient d'une bonne longueur, la longueur que vous choisissez, mais vous pliez votre rideau ou double rideau en deux. Vous procédez de cette façon-là. Et vous voyez si la coupe elle a été bien faite au départ pour pouvoir réaliser votre ourlet. La coupe n'a pas été réussie. Donc, il faut procéder à ça. Couper ce qui dépasse. Il y avait un côté qui était plus court que l'autre. Et moi, donc, je rectifie en coupant le surplus. On a la mesure qu'on veut, parce que la mesure, elle est là. Donc, il me reste 3 cm d'ourlet. Ouais, 3 cm et demi disons, mais enfin 3 cm disons 3 cm et je rectifie la coupe pour pouvoir avoir ma mesure. La coupe terminée, maintenant je procède à l'ourlet. Deuxième étape, donc là maintenant la longueur est bonne. Je procède à l'ourlet du bas tout en faisant attention à ne pas piquer, à faire l'ourlet sur le bon endroit. C'est-à-dire un endroit du tissu. Et un endroit, il y a un envers automatiquement. Hein. Donc l'ourlet, vous le rabattez sur l'envers du tissu en pliant une fois et en gardant les centimètres que vous voulez. Moi, je garde 3 cm. Vous pouvez garder 4, 5, comme vous voulez. Mais moi, c'est 3 cm. Donc je mesure mes 3 cm et je commence à piquer. Je prends la machine à coudre avec du fil blanc tant que possible et on rabat une fois le tissu, une épaisseur et la deuxième épaisseur en respectant bien vos mesures, 3 cm. On glisse sous le pied de biche. Voilà, là ça va vite parce que c'est plat, le tissu est agréable à travailler. Les 3 cm sont toujours là, je suppose. Puis d'œil, ouais. Pour les débutantes, il serait préférable de mettre des épingles. Il vaut mieux retirer les épingles pour ne pas casser le fil et l'aiguille, disons. Quand c'est un peu plus épais, bon, allez moins vite. Il faut aller moins vite, il faut aller tout doucement. Et sinon, là, c'est pas épais. Hein. De temps en temps, je prends la mesure quand même. Le rideau est terminé, l'ourlet est fait. J'ai bien respecté les 3 cm. À bientôt.